Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 1er octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler minage, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le halving qui se rapproche, on, a, on est en dessous des 200 jours avant le, le halving, on doit être à 198 jours. On a eu l'annonce d'un nouveau mineur qui est apparu. Et il faut comprendre l'impact du minage sur le prix du BTC, ça va être la question et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. En quoi le minage impacte le prix du BTC, est-ce qu'on peut grâce à ça déterminer le prix du BTC Je vais vous donner ma réponse. Oui, on peut, et je vais vous donner mes expectatives, ce qui va se passer par la suite, et ça commence tout de suite. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que nous avons à 18h un live très important, ça fait déjà plus d'un an que j'en ai pas fait. Je fais un live spécial, bah, tout simplement pour vous retrouver en ce 1er octobre. Ça va être très important. On va parler de beaucoup de choses. J'ai hâte de vous retrouver. 18h. À tout à l'heure. Quand on parle de PTC, il faut bien prendre en considération qu'on doit aussi parler de l'industrie qui est derrière. C'est l'industrie du minage qui est très important. C'est une très grosse industrie avec derrière des usines, des hangars entiers remplis de mineurs pour pouvoir valider les blocs. C'est le principe du of work et les mineurs sont récompensés à travers les transactions, les frais de transaction, mais surtout l'émission de nouveaux tokens, de nouveaux BTC, de nouveaux Bitcoin. Cette émission-là va changer avec le halving. Clairement, on va diviser par deux dans 198 jours les récompenses que vont recevoir ces mineurs. Si vous suivez la chaîne déjà depuis un certain temps, vous savez très bien un petit peu l'explication que j'ai derrière. C'est il faut comprendre que c'est une industrie. Ce sont des sociétés qui voient leur chiffre d'affaires divisé par deux, parce que globalement c'est le principe. On divise par deux le nombre de rewards. Ils vont passer de 6,25 à 3,125 BTC par bloc par bloc miné, sous-entendu par bloc à chaque fois. Et donc ça veut dire qu'on dise vraiment par de tout le chiffre d'affaires et ça a un impact vraiment fort. Historiquement, on a eu toujours, avant le halving, un lancement d'un nouveau mineur qui impacte le, le secteur, qui va diminuer tout simplement la... la consommation énergétique pour pouvoir miner de nouveaux BTC, et on voit qu'on a eu un nouveau mineur, mais cette fois-ci avec des performances bien moindres qu'historiquement, et on va comprendre l'impact que ça va avoir sur le prix, parce que il faut comprendre que lorsque l'on a un nouveau mineur qui apparaît, il y a des nouveaux financements à avoir, il faut comprendre aussi la partie structurelle du BTC, il n'y a pas que la partie spéculative, il n'y a pas que la partie utilitaire, mais il y a la partie structurelle, qui est les entreprises qui sont derrière, et comment on gère en fait ce type de business, et les impacts que ça va avoir par rapport à ça. On avance avec justement ce nouveau mineur qui a été sorti, donc qui se trouve ici. Donc là, on a le, le SP euh, classique, le, le S19 qui est présent. Donc c'est celui que tout le monde a quasiment tous. Hein, il y a des S17 et des S19, et on a le S21 qui a été sorti avec des performances qui sont à peu près 20%, 22, 23% au dessus de ce qu'on connaissait avec le S19. Alors, historiquement, quand on regardait la différence entre le S17 et le S19, on avait vraiment des gaps qui étaient beaucoup plus importants. Là ce n'est pas le cas et c'est pour ça qu'on va en parler parce que ça a un impact très fort. Très fort parce que on a des changements drastiques. Ce qui est bien, c'est qu'avec Bitman, on peut directement regarder les coûts effectifs et surtout la rentabilité de chacun des mineurs présents. Et il faut comprendre que le S19, par exemple, en état actuel, permet d'avoir un profit journalier de 15$, à savoir qu'on a une énergie à euh, 4 centimes, quoi donc une énergie à 4 centimes, c'est pas tous qui l'ont, et on va aborder justement ça un petit peu plus tard, vous allez voir, vous allez vite comprendre, donc on a quand même une, une évolution qui est drastique avec la version S21 Hydro, donc une version particulière qui permet d'avoir un cycle de production beaucoup plus élevé, et surtout un maintien dans n'importe quelle condition, à savoir que dans l'Hydro, on n'a pas forcément tous qui sont en Hydro, on a une partie qui sont en S21 classique, donc qui est quand même bien moins, on voit déjà l'écart entre les deux, et là, ça va être vraiment impactant, parce que on attendait, beaucoup de mineurs attendaient cette partie-là, pour refaire de réinvestissement pour l'arrivée du halving, forcément, si on a quelque chose qui performe 60-70% de mieux que le reste, bon, bah, à ce moment-là, on se dit qu'en effet, on va passer dessus, on va faire l'investissement nécessaire pour pouvoir racheter. Parce que ça sous-entend qu'il faut, un, vendre le parc actuel, parce que si on a des S17 et des S19, bah, il faut les vendre, il faut les remplacer par du S21, et ça demande du financement. Concrètement, sur le BTC, ça se représente comment Bah, là-dessus, j'ai tracé deux indicateurs, enfin, trois indicateurs qui sont les mêmes, mais qui sont statués différemment. Ici, dans la partie basse, donc cette ligne-là, nous avons le S21 Hydro, ici nous avons le S19 Hydro et ici nous avons le S17 pour bien vous montrer l'écart que l'on a entre les deux. Et on voit très bien l'écart structurel entre le S19 et le S21 Hydro et le S19 et le s17 pour bien voir l'écart entre les deux et l'impact que ça a sur le marché derrière alors là-dessus je vous ai donné je vais vous montrer de toute façon les caractérisations donc c'est quelque chose qui est assez simple dans lequel j'ai défini à 6.25 donc qui est l'état actuel de génération de btc avec derrière 4 centimes le kWh là-dessus je vous rappelle qu'il n'y a pas une majorité qui est à 4 centimes hein, c'est entre 3 et 4 centimes c'est les meilleurs deals qu'on peut avoir et généralement on est au-dessus par contre Là-dessus, cet indicateur ne prend pas en compte plusieurs choses. Un, les coûts d'investissement, les coûts d'immobilisation, parce que quand on achète derrière bah, à un moment donné, on a un prêt, on a derrière des pourcentages qui rentrent dedans, on a une immobilisation structurelle par rapport aux infrastructures que l'on a, c'est-à-dire l'entretien, le maintien de tout ce qui est autour, les employés, tout ça on ne tient pas en compte. On ne tient pas en compte aussi autre chose, c'est un luptime. On a le BTC, les mineurs de BTC, pour avoir des deals comme ça, pas, euh, ne minent pas à 100%, d'accord Ne sont pas continuellement en train de miner. C'est le principe, c'est qu'ils doivent miner sur du surplus, et donc, pour avoir des tarifs avantageux, ils ne vont pas miner à 100% du temps. Et c'est pour ça que ça ne rentre pas dedans, ce qui est gênant, et c'est pour ça qu'on va modifier un petit peu dessus. Donc, 4 euh, centimes, le meilleur moyen d'impacter, pour moi, c'est d'augmenter minimum de 1, voire même de 2 en fonction des situations où on est donc là dessus ça commence à nous donner un petit peu plus réellement le coût d'un btc parce que c'est exactement ce qui est voulu hop on replace tout à 6 et on voit que déjà ceux qui sont en s17 ne sont pas rentables on voit que ceux qui sont en s19 sont en effet Rentable et sont positionnés ici dans les 15 000 dollars, qui est à peu près le, le prix de production que l'on retrouve. Et d'ailleurs, c'est à peu près ça, pour ça que je vous dis qu'on est à peu près pas loin dans, dans cette, dans cette idée-là, parce que nous avons eu justement une analyse de JP Morgan qui expliquait que au prix du kilowattheure, c'était 3 800 dollars quand on comptait tout, que ce soit l'investissement, l'immobilisation, la gestion, l'entretien et le renouvellement du parc, c'était à peu près 3800 dollars le kilowattheure par rapport au deal électrique structurel fort. Donc ça représentait notamment 15 000, à peu près 15 000 dollars, et on voit qu'on n'est pas trop loin dans notre, dans notre idée, dans notre représentation sur des S19, et donc je pense qu'on n'est vraiment pas loin de cette représentation. Et à savoir que la difficulté va être faite par le hash donc plus il y a de personnes sur le réseau, plus c'est compliqué de miner, plus c'est compliqué de miner moins en fait c'est rentable globalement donc on a toute une partie déjà des S17 qui ne sont plus rentables ça on le sait ou en tout cas qui sont soit débranchés ou soit qui sont en maintien avec des deals très très particuliers ou dans des fins de, de série, bah tout simplement parce qu'on les garde encore pour miner du BTC pour pouvoir les vendre par la suite. Hein, Donc là c'est ce qu'on appelle du, du minage à perte sur du court terme pour ensuite du long terme, avec une valorisation long terme. Mais généralement, c'est plutôt voilà, faible. Mais on, on a un ruban qui nous donne le support général. Ça veut dire que d'ici à ici, nous sommes en fait dans une période de rentabilité. C'est les coûts de production du BTC. Et c'est important de voir parce que pour moi, c'est le support principal. Il faut comprendre que ça, ce sera divisé par deux à partir du moment où on arrivera dans le halving. Ça veut dire que ces coûts de production, déjà, les S17 passeront directement, <laughs> forcément, très très cher. Enfin, voilà, 27 000 x 2, donc on va arriver à 54 000. On va arriver ici de 15 000 à 30 000 et on va arriver sur les derniers arrivés de 10 000 à 20 000, 21 000 exactement, ce qu'on a 10 500. Là-dessus, c'est l'élément classique que l'on pourrait se dire. Ok, bah à ce moment, on va se dire qu'il y a peut-être la difficulté qui va diminuer parce que tout simplement les personnes vont débrancher et donc à ce moment, on va avoir une phase basse. Et je me suis posé la question quel est l'impact réellement de ça et du halving par rapport au hash rate, donc à la difficulté du réseau et structurellement au prix D'accord, Le prix, le hash rate, donc la difficulté de miner. Et l'impact du minage, la réaction des deux. Et pour ça, je vous propose ce graphique là, dans lequel j'ai rajouté une ligne, qui est la ligne ici, en jaune, qui est la représentation d'un S17, parce que à l'époque de 2020, c'était majoritairement des S17, il y avait un petit peu de S19, mais c'était majoritairement des S17 qui étaient durant le bear market, et avec, derrière, la mise en place des 12,5, donc qui est l'émission avant le halving précédent. D'accord Donc on a vraiment ces caractéristiques, et on se retrouve dans quelque chose où on voit que déjà on était bien en dessous, et on n'a pas eu en fait de hashrate qui a diminué. On voit même que le halving, le hashrate, a accéléré. Et c'est important, c'est pour moi je considère qu'en en effet on a un turn qui est en train d'être effectué, où les personnes sont en train de réinvestir massivement, et que on n'a pas... La pression baissière en fait se fait maintenant, parce que tout simplement les personnes sont en train de liquider et de vendre une partie de leur BTC pour pouvoir acheter tout simplement des nouveaux mineurs, que ce soit des S19, enfin des S17 qui sont en train d'être remplacés par des S19 et des S19 qui sont en train de remplacer par des S21, à savoir que plus un ASIC tourne, moins il est performant, donc c'est-à-dire qu'un S17 qui a déjà euh, 5 ans dans les pattes, bah, il va miner beaucoup moins, il va être beaucoup moins performant. On considère que c'est à peu près 10% par an de perte, hein, et ça c'est valable pour les cartes graphiques, c'est valable pour beaucoup de choses. Donc on a en fait cette dépréciation qui est en train de se, se mettre en place, et forcément les S19 maintenant sont moins performants que les S19 qui ont été achetés à l'origine. D'accord Ce qui est tout à fait logique. Donc, on, on est dans cette perspective où on, on voit très bien que le hash rate a continué à monter. Le seul, la seule chute que l'on a eu ici, c'est le China ban, mais ça c'est normal, étant donné qu'on a eu un déplacement des mineurs qui étaient en Chine vers d'autres pays, voire même une fermeture d'un certain nombre, et on voit qu'on a rattrapé, qu'on a même accéléré euh, ce momentum-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on va revenir ici, et on va cette fois-ci euh, redéplacer l'ensemble des deux ligne et vous allez vite comprendre quel est l'intérêt. On va le mettre à 325, donc qui est la représentation du nouveau hash rate que l'on aura, et vous allez vite voir l'impact que ça va avoir au niveau du BTC. Et là, on peut déjà se définir par rapport à ce que l'on a connu historiquement, que ça, ça va être les nouveaux prix. Et ça, c'est les prix de production. Il faut comprendre qu'une société ne fonctionne pas juste pour produire gratuitement. D'accord prix de production, c'est j'arrive à zéro. Ça sous-entend que je ne perds pas d'argent, mais je n'en gagne pas. Le but de ces sociétés-là, c'est de gagner de l'argent. Et quand on a une règle qui est assez basique, c'est généralement les prix de production x2 pour avoir une marge structurelle forte dans une industrie comme une industrie à, sur à surinvestissement, comme le minage de BTC. C'est à peu près une marge x2, voire x3. Et donc là, on peut déjà se projeter assez vite par rapport au halving, l'impact effectif au niveau de l'écrasement des marges, parce qu'on peut le voir ici, c'est l'écart entre les deux. On voit qu'au niveau du halving, on était ici. Dans la courbe jaune, on est passé dans cette courbe verte ici. Vous voyez bien la différence. Hein Tout ça, c'est la marge qui a été perdue par les sociétés. Donc ça sous-entend qu'on va avoir, hop, on n'est pas dans le bon graphique, ici, un écart qui va se faire avec une multiplication, globalement, par deux d'écart du prix. Et donc ça sous-entend que les S19 qui resteront toujours en production auront un prix effectif dans les alentours de 28 000-29 000. Et ici, dans les S21, on sera dans les alentours de 20 000 jusqu'à potentiellement 21 000 d'accord donc on sera dans ces écarts là donc on peut très bien les retesser ces zones là mais ça sous-entend que là on est juste à flot et donc étant donné qu'on va avoir un rate qui va continuer à monter ça sous-entend qu'on va continuer à avoir une augmentation de la difficulté il est fort probable quand on continue comme ça d'avoir un rate, quand on regarde l'évolution qu'on a qui va s'effectuer de cette façon là et donc en termes d'évolution on voit très vite que le prix de rentabilité avec le nouveau halving, avec la nouvelle émission de BTC, sera dans les alentours de 33 000 pour les S19, et donc de 25 000, donc de 25 000 à 33 000, qui est le range que je définis depuis un certain temps, 25-35, dans lequel on risque d'osciller avant d'avoir la rupture, le retest et l'accélération entière, qui sera ici la reprise de marge de l'industrie qui est derrière. Comprenez bien que ce sont des sociétés. Leur but, c'est de faire de l'investissement, ce n'est pas des personnes qui sont là. ...pour principalement aller chercher euh, la, la décentralisation de BTC, renforcer l'idée, euh, l'idéologie qui est derrière, on est vraiment très très loin. On est dans des personnes qui vont chercher le retour sur investissement et le retour en termes de profit journalier. Ils vont calculer quel est le ROI annuel de l'investissement qu'ils euh, qui vont effectuer. En sachant que c'est une industrie qui doit renouveler continuellement son parc, donc il y a des investissements continuels qui sont effectués. Un S21 acheté aujourd'hui, dans 5 ans... Avec le hash rate, avec euh, derrière l'augmentation de la difficulté, avec l'usure du matériel, ce sont des, des investissements qui vont être réeffectués. Et l'autre chose qui apprend en considération et qui est encore différent et qu'on ne prend pas suffisamment en considération, c'est que ici dans cette période-là, en fait, il y avait une rupture réelle au niveau de tout ce qui était ASIC. D'accord Il y avait vraiment très compliqué d'en avoir et euh, on devait les payer très très cher et avec des délais qui étaient vraiment très très longs. Et c'est quelque chose qui, qui n'est plus le cas. Clairement, je pense que Ant-Man et Bitman vont être prêts, en fait, Ant-Mineurs vont être prêts pour pouvoir produire et avoir accès. Donc on risque d'avoir même potentiellement une accélération du hash rate qui va être euh, effectif, et donc une accélération du prix. Parce que si on a un prix à la production qui augmente, ça sous-entend à un moment donné que les marges rétrécissent. Alors, on peut très bien avoir des marges qui rétrécissent, mais à un moment donné, il y aura une valorisation du prix réel qui se fera par rapport à l'intérêt de l'investissement et du business qui est autour. Là-dessus, il y a deux possibilités soit on arrive sur une valorisation réelle du BTC, soit on arrive sur une diminution de l'intérêt qui est porté sur l'industrie du minage. Et donc derrière, des personnes qui font des débrancher des machines. Mais pour avoir ça, ce sera remplacé par des nouveaux acteurs qui vont réinvestir. Donc pour moi, on aura plus une stabilisation du hash rate plutôt qu'une baisse du hash rate. Et donc là, on aura peut-être la mise en place d'un prix qui sera représentatif du prix réel du BTC, en retirant la notion de spéculation, sauf que, bon, on ne prend pas en considération l'arrivée des ETF, l'arrivée de, de, de liquidités, l'arrivée de l'aspect aussi très spéculatif qui rentre dedans, parce que c'est un peu un, un, un moment auto-réalisateur dans lequel les personnes réinvestissent, préparent le halving, et justement ce n'est pas le moment du halving, mais c'est quelques mois après où on voit les accélérations. Quand on regarde dans cette zone-là, on voit très bien que là on a le halving, l'accélération se fait par la suite, un mois, deux mois, trois mois par la suite. Pareil ici, on a ensuite la réaccélération et le boulot qui se met en place. Mais on a une valorisation qui arrive dans les mois qui suivent le halving. Ce n'est pas un jour magique, mais en tout cas, c'est un jour qui est difficile à passer pour un mineur. Comprenez-le bien parce qu'il voit tout simplement son salaire divisé par deux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve pour le live à 18h. Je vous dis à tout de suite.